soit il faut virer la femme de ménage, soit personne n'est venu ici depuis des mois. Ça s'est sérieusement dégradé. L'endroit est condamné depuis la mort du propriétaire, un certain professeur Wurz. Et dire qu'il a eu des étudiants, il me ferait mieux. Ça au moins, ça me dit quelque chose. Vas-y, Lara. Tu seras si tu es l'élu. Fasciste romain d'Arister qui a inspiré cette légende. Ce devait être le bureau de notre brave professeur. Aussi moisi que sa réputation. Dit la poutre à la paille. C'est là que l'on doit découvrir la vérité que cache. Mais l'endroit a été transformé en entrepôt. C'est normal. Il y a eu si peu de vérité ailleurs. Pourquoi y en aurait-il ici? Les seuls faits qui ont inspiré la légende du roi Arthur ont été oubliés des siècles avant la construction de cet endroit. Le professeur Wurz a tout de même du mérite. S'il devait fermer une attraction pour la rénover, il a au moins choisi la tombe. Ce n'est pas la tombe du roi Arthur. Ça, on le savait déjà. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai vu assez de tombes dans ma vie pour savoir reconnaître. Voilà qui est. Écoute, Alistair, j'ai une main désolée. Mais je suis ravie que tu penses qu'il peut y avoir quelque chose d'important ici. Est-ce que ça va? J'ai décidé de descendre plus lentement. Devrais-tu dire ça au chariot? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu la ramènes encore. Je vais devoir passer ailleurs. Mais j'aurais dû essayer juste pour vous faire hurler.
la dalle. Et toi, pourquoi tu ne vas pas retenir la porte, hein? Regardez-moi ça. Oh, c'est absolument génial. C'est très intéressant. Attends!